et qui parle de Bobo. Oh, le siège avant, c'est la chose la plus merveilleuse. Police! Oh, j'avais pas besoin de ça. Le code de la route du Queensland autorise un enfant de plus de 4 ans à s'asseoir sur le siège avant si tous les autres sièges sont occupés. Bon, bah, je vous le rends. Je devrais être au courant de cette règle. Moi-même, j'ai dû faire une recherche. Est-ce que tu as bien plus de 4 ans, toi? Oui. Alors, tout est en règle. Désolé de cette erreur. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Normalement, je ne fais pas ça, mais là, nous avons une urgence. On essaye de retrouver Tante Frisky. Elle s'est sauvée alors qu'elle se marie aujourd'hui. Ok, les filles, je ne suis pas sûre que ça concerne monsieur l'agent. Tante Frisky, vous dites? Ce ne serait pas un cocker anglais dans une voiture bleue qui aime conduire vite? Oui. Oui, je lui ai mis une amende pour excès de vitesse il y a 10 minutes. Quoi? C'était où? Sur Smith Street, près du bar à jus de fruits. C'est son bar à jus de fruits préféré. Frisky est allé boire un jus de fruits? En route, Bobo! Merci, monsieur l'agent! Elle était un petit peu grognon! J'ai pas envie de jouer au statut musical. D'ailleurs, moi non plus. Dommage, j'ai besoin de quelqu'un qui arrête la musique. Oh. Blablabla. Je vois de qui Blue, il tient ça. Ça y est, vous êtes prête, c'est parti. Et stop, t'as cligné des yeux, toi aussi, vous êtes tout éliminé. Ne pars pas comme ça, tu dois jouer correctement. Tu joues correctement ou tu ne joues pas du tout. D'accord. Non, donne-moi ça. Cette fois, on va mettre de la vraie musique. Et voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Allez les filles, on se dandine. S'il te plaît, Bluey, allez, secoue-toi un peu. Stop. Personne n'a bougé. Allez, on repart pour un tour. Oh ouais, allez, danse, Chili. Allez, Bluey, tu n'as qu'à faire comme moi. Oui, voilà, c'est ça. Woo! On donne tout. Stop. J'ai oublié d'arrêter de tout donner. Voilà, c'est fait. Merci, papa. Hé, hey, dis donc, tu as placé ton lit au même endroit que le mien. Oui, ça te dérange pas? Mais non, pas du tout. C'est pour qu'on puisse continuer à observer Malcolm. Oh, très bonne idée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pas grand-chose. Allez, Malcolm, un petit effort, fais quelque chose. Oh, il nous a entendus. Bon, alors, toutes ces peluches sont à moi. Et toutes celles-là sont à moi. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait pour notre petite Gloria? Oui, qu'est-ce qu'on fait pour notre petite Gloria? Je me souviens que c'était un cadeau de Noël pour moi de la part de grand-père. Alors que toi, tu n'avais pas du tout reçu de cadeau de Noël de sa part. Parce qu'il avait oublié que je venais de naître. Oui, il avait oublié ta naissance. Alors toi, tu m'avais dit, ça ne fait rien, Bingo. On n'a qu'à dire qu'elle est à nous deux. Oui, exactement. Du coup, on la met dans ta chambre ou dans la mienne? On peut la mettre dans la tienne. Merci, Bluey. Mais je te propose qu'elle dorme dans ta chambre pour cette nuit. Oh oui, d'accord. Bo! Un éléphant? Bo! Hop! Bo! Hop! Bo! Hop! Un kangourou? Qu'est-ce que j'ai raté? Une poule! On assiste au grand défilé du monde animal. Ça, c'est un émeu. Oui, à moins que ce soit une autruche ou un grand canard. Et ça, c'est une sorte de... Un âne. Certains animaux ont l'air difficiles à imiter. C'est sûr, elles se fatiguent jamais. Biop, biop, biop. Voilà la championne. Oh non, d'un chien de chasse, c'est très impressionnant. Je sais même pas comment elle arrive à faire ça. Il faut tourner les pieds vers l'extérieur comme un canard. Ah oui, puis les tourner vers l'intérieur. En tournant sur toi-même. Oh, en tournant sur moi-même. Oh, aïe, ma cuisse. Quatre, non. Un, deux, trois. Et où est le 4? Et voilà, alors où sont les œufs, Bingo? Oh, voilà le 4. Eh oh! Le petit déjeuner est bientôt prêt! Dans une minute! Tu vois, papa devient grincheux. Vite, occupons-nous des œufs. Oh, allez, vas-y, casse-les! Mince alors! Désolée, Bluey! C'est pas grave, je vais tout nettoyer! Merci, Bluey! Allons-y, recommence, chérie. Hop. Je vais tenir le bol pour toi. Un peu plus fort, chérie. Frappe un bon coup, vas-y! Là, c'est trop fort. Oh, non, chérie, il ne faut pas mettre les coquilles. Allez, tiens, recommence. D'accord. Allô? Bonjour, mon petit déjeuner va bientôt arriver. Il est en chemin. Il a fallu que je laisse Bingo me donner un coup de main. C'est pas que je me plaigne, mais... Ah, désolée. C'était mon petit déjeuner. Il était super gros, celui-là. Il faut que je raccroche. Réunion de famille.
Gros poisson, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi Margaret est aussi exigeante. C'est une espèce de vieux melon complètement stupide. Oui. Je veux que Karen revienne. J'ai une idée. Si on refusait tout simplement de faire ce qu'elle demande. Oui, si on reste solidaire, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire? Tu en penses quoi, Mary Findor? Mary Findor? Ensuite, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les exercices que vous demandez et qu'ils voulaient que Karen revienne. Oh, oui. Rien fait de rapporter, ma petite chérie. Oh ah, ça, c'est pour avoir été insolent. Mary Findor, tu as rapporté ce qu'on a dit? Oui, c'est autorisé. Bien sûr que oui. Tu viens de passer gros poisson. Quoi? Oh, je vois. Eh bien, elle vous a traité de vieux melon complètement stupide. Comment ça? Tu as raté toi aussi. Approche un peu. C'est toi qui as réussi gros poisson dans ce cas. Mais, Sharon a triché au Marco Polo. Quoi? C'est pas vrai. Non. Bon, cette fois, c'est l'heure du film. Sur quel bouton je dois appuyer déjà? Ah, verdure. J'essaye de me concentrer, chérie. Remonte là-dessus. Ah. Oh, maman, Verdure m'a poussée. Verdure, pourquoi tu es aussi agitée aujourd'hui? Écoute-moi bien, je veux que tu restes tranquille, jeune homme. Verdure, c'est une tête de coussin. Coup de vent, on ne traite personne de tête de coussin dans cette maison. Bonne intervention. Paf. Ouah, maman, Verdure m'a tapée. C'est vrai, mais tu l'avais un peu cherchée. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Verdure, chérie, s'il te plaît, descends de là. Je crois que ces enfants ont besoin de faire de l'exercice. J'ai une bonne idée. Et si tout le monde allait nager un peu dans la piscine d'intérieur? Oui! Suivez-moi tous! Ouais! Reviens ici tout de suite et lave-toi les dents, jeune fille! On se dépêche, on avance. C'est par ici le chemin de la piscine. Ah! Droit devant. Bluey, tu veux manger des céréales? Ouais, tu veux manger des céréales. Trop lourde. J'ai dit céréales trop lourdes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça alors, elles sont drôlement lourdes ces céréales. Ah, c'est parce qu'elles sont pleines de fibres. Oh, je vais faire autrement. Trop lourd. Trop lourd. Qu'est-ce qui se passe encore? Dou 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 dou. Petit dou. Hein? Trop lourd. Oh, ça c'est bizarre. Wow, c'est lourd. Maman, je suis vraiment obligée de me laver les dents. Oui. Bon, d'accord. Bluey, où as-tu mis l'invitation que t'as donnée Chloé? Il me faut son adresse. Oh tiens, la voilà. Je n'ai plus qu'à la ramasser. Que m'arrive-t-il? Bien, ma reine. Oh, je vais m'en occuper, votre majesté. Je crois que la reine a un peu de mal à monter. Merveilleux. Maintenant, allez-vous-en. Oui, ma reine. Approchez. Oui, votre majesté. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le machin royal arc-en-ciel. Oh, je suis terriblement désolée, votre majesté. C'est de l'insolence, majordome. Ça vous convient, votre majesté? Oui. Que puis-je faire pour vous, ma reine? Oh, je vais chanter une petite chanson. Je veux que vous écriviez les paroles. Oh, d'accord. Je suis tellement jolie. Je suis tellement charmante. Oh, et puis si brillante. Bien, maintenant rechantez-la moi. Je suis tellement jolie. Chantez plus fort. Je suis tellement... Encore plus fort. Charmante. Oui, chouette, ça me fait trop plaisir. Oui, c'est trop cool. Bon, alors tu auras droit à 3 mots de danse, Bingo. Et après, c'est fini. Oui, d'accord. Le chien vert, on traverse. Oh, Bingo, il y a de la musique. Ça te dirait qu'on mette maman en mode danse? Oui, je veux bien. C'est moi qui le fais. Mode danse tout de suite. Vite, on se dépêche, les filles. Elle, on la connaît pas. Bandit. Wow! Donne tout ce que tu as, Chili! Bonjour, Wendy! Je l'ai trouvée trop rigolote, cette danse. Tu te défends encore, chérie? Tu feras moins le malin tout à l'heure. Dis Bluey, pour le prochain mode danse, ce sera à moi de choisir quand on le fait, c'est d'accord? Ce sera pas toi. Oui, entendu!
C'est dans ce magasin que tu vas utiliser ton mode danse, alors? Non, je préfère le garder pour un endroit beaucoup mieux que ça. En plus, il n'y a même pas de musique ici. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais quel dommage! C'est vraiment beaucoup plus difficile de marcher ici que sur le terrain de jeu. Ah! Oh! Tout va bien, Bluey? Mon genou! Fais-moi voir. Ah oui, je vois. Je vais devoir te couper la patte. Ah! Non! Quoi? T'en as pas besoin de deux! La crique! Oh, la crique est magnifique! Il y a un endroit encore plus joli pas loin d'ici. On venait souvent y jouer quand j'étais petit. On va sauter sur les cailloux. Oh! Aïe! Certaines pierres sont très pointues. Faut prendre ton temps et fais bien attention aux pierres instables. Celle-ci est vraiment instable. Oui, celle-là n'est pas stable. Pierres vertes sont super glissantes. J'ai avalé de la boue. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, ça va te faire du bien. Ah, oui, donnez-moi. Oh mince, il y a des gens partout. Ils sont chouettes tes patins à roulettes, Bambi. Il ne s'agit pas de toi. Tu dois rompre le sortilège des fées, Bambi. Très bien, mais tout d'abord, écoute-moi, Bingo gelé. Si jamais je t'ai fait de la peine, je suis vraiment, vraiment désolé. Tu dois te sentir très triste quand ton papa fait ça. Alors sache que je t'aime, fillette, et que je ferai n'importe quoi pour toi. Bien! Allons-y maintenant! Oui! Oui! À toi! Wow! Oh, oui! Oui! Vas-y, oui, tu peux le faire! Je suis le roi de la danse! Diverti! Oh! Oh! Bingo! Ouais! On va passer tout le week-end avec nous et on va prendre des photos de toutes nos activités amusantes pour les coller ensuite dans l'album de Bob le Bilby. Là, c'est Bob chez Jasper W. Et là, il est chez Harley. Oh! Tu sais faire du karaté, Bob? Alors dis donc, je vais éviter de te mettre en colère. Et là, c'est quand il est parti en vacances avec Madame Terrier. Ah oui, elle a emmené Bob avec elle quand elle est partie en Écosse. Waouh, Bob, tu as pas mal voyagé. J'espère que tu passeras de bons moments avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui. Hé, hey, c'est à moi. Lâche-le tout de suite. C'est à papa. Attention, papa, essaie de faire du karaté. Allez, maintenant je vais prendre une photo. S'il te plaît, la vache, fais-me. Allez, marche vers moi. Parfait, souris, Bob. Fais-moi voir. Je suis désolée, Bingo, je voulais pas te laisser tomber, je t'assure. C'est Judo qui m'a poussée à le faire. Enfin, elle m'a pas vraiment poussée. Je reconnais que j'ai accepté de la suivre. Je le ferai plus jamais, Bingo. Je te le promets. S'il te plaît, tu veux bien qu'on joue ensemble? Pauvre petite bête sur le mur. Ding, ding, elle a personne pour l'aimer. Ding, ding. Personne pour la chatouiller. Ding, ding. Personne pour lui moucher le nez. Ding, ding. Ring, ring. Oh non, c'est Judo au téléphone. Dis-lui que je suis pas là. Non, vite, cache-toi. Ring, ring. Ah. Ring, ring. Louis, où est-ce que tu es? Comment? C'est génial! Je suis une espèce de chauve-souris qui mange beaucoup de fruits! Ah!
je vois. Tu as vu ce que je viens de faire? Oui, j'ai tout vu. Est-ce que tu trouves que j'ai bien joué? Oui, tu es trop fort. Et je suis capable de renouveler mon exploit. Ah oui, tu en es certain? Oui, évidemment, voyons. Ah, je vois, d'accord. Bon, allez, oui. À tout à l'heure, chérie. Allez, les amis, c'est reparti. Oui, allez, à plus tard, papa. Waouh.